Kylian Mbappé au FC Barcelone, c'est l'information qui enflamme actuellement l'Espagne. Pourtant, le joueur français est souvent cité au Real Madrid, le club merengue. Mais cette fois-ci, c'est le club catalan qui est sur le point de mettre quelque chose sur la table pour recruter Kylian Mbappé. Le Barça à l'attaque pour Mbappé, c'est l'info top secret révélée par Mundo Deportivo, journal sportif catalan, ce mercredi 28 décembre. Sauf que tout est faux puisque ce jour est celui des saints innocents où les farces et culinaires abondent dans la presse à la manière du poisson d'avril en France. Les médias catalans ne se privent ni d'une bonne blague ni d'égratigner le PSG rival au nid du Barça sur la scène européenne. Dans son article satirique, Mundo Deportivo laisse libre cours à une imagination débordante et invoque une brouille entre Mbappé et Lionel Messi comme un élément déclencheur d'un départ du français. Le journal surfe sur des célébrations argentines contre Mbappé et l'information selon laquelle Lionel Messi est proche d'étendre son contrat au Paris Saint-Germain pour trouver un différend vivace entre les deux stars. Surtout, il lance qu'un départ au Real Madrid courtisan de très longue date de la star française n'est plus à l'ordre du jour après le refus de Mbappé d'y signer l'été dernier. Le journal tire sur une grosse ficelle en évoquant une sorte de pacte de non-agression entre le Real Madrid et Barça sur Mbappé, le club catalan confiant à l'entreprise de Florentino Pérez les travaux de rénovation du Camp Nou en échange d'un transfert de Mbappé au Barça. Une information qui a donc secoué complètement la presse européenne mais aussi espagnole qui a évoqué que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais c'est comme un poisson d'avril qui a été évoqué en France. L'argumentaire imaginaire évoque aussi que la collaboration impossible entre Mbappé et Benzema au Real en raison des zones d'ombre sous le départ de la star madrilène du groupe de l'équipe de France pendant le mondial. Mundo Deportivo ajoute une dernière pièce en évoquant le rôle de Manuel Valls dans la réalisation de ce transfert fictif de Mbappé au Barça. L'ancien premier ministre français qui a brigué la mairie de Barcelone en 2019 est montré comme l'une des pierres angulaires de l'ombre de ce transfert fictif qui servirait ses ambitions lors des prochaines élections dans la ville catalane. Dans la réalité, le nom de Kylian Mbappé a déjà été associé à celui du FC Barcelone dans le passé, même s'il ne s'agit pas de la destination préférée du Français, davantage tentée par le Real Madrid ou citée du côté de Liverpool. Il est actuellement sous contrat avec Paris jusqu'en 2025, sous la forme de 2 ans plus une en option. Après avoir laissé filtrer ses envies d'ailleurs, en octobre dernier, Mbappé avait démenti, mais la question de son avenir devrait encore agiter l'actualité.